de 1980 à 1985, fin 85, avec 3 victoires en champion du monde, le Monte Carlo 81, le Tour de Corse 82 et 85. 81, 80, Monte Carlo et 82 Corse, c'était la Groupe 4, et 85, c'était la Maxi 5 Turbo. Et bon, bah avec des années où la voiture a été extraordinaire, des années où elle a été un peu moins, enfin il y a eu un peu de tout. Au début, la voiture était très puissante et difficile à exploiter dans les conditions de neige comme à Monte Carlo. Après, on a réduit un petit peu la puissance. En 82, la voiture a été extraordinaire toute l'année 82. Au début du Tour de Corse, après de la Tour de Corse 83, elle était un peu plus difficile, le train avant était un petit peu plus difficile à régler, et puis après, en cours de saison, ça a été. Et puis 84, elle était superbe, avant d'arriver à la Maxi, qui elle, la Maxi, avait à peu près tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire la souplesse, la puissance, l'efficacité, et ça a été vraiment le summum de la 5 Turbo d'année 85, et en 86 pour d'autres pilotes. Comme... Trois très bons fermes, quatrième. Sur gauche-droite à fond plus, 50 mètres. Gauche à fond ferme, 50 mètres. Gauche à fond plus, route étroite, 50 mètres. Rail gauche-bon coupé, droite-bon rouvre, troisième. Gauche-bon coupé, droite-bon rouvre, troisième. 50 mètres, droite très bon. Sur gauche-bon et gauche-moyen, et gauche-moyen. 30 mètres, droite-bon, droite-bon. Et droite-bon rouvre, très bon quatrième. 20 mètres, l'angoche moyen, 20 mètres, l'angoche moyen. Sur droite à fond plus, et gauche droite à fond plus, 50 mètres. Droite bon coupé, gauche dure, droite bon coupé, gauche dure. Sur droite bon, 30 mètres, attention, gauche dure sur bosse glisse, gauche dure sur bosse glisse. 20 mètres, droite bon coupé, 10 mètres en droite moyen. 20 mètres, droite à fond plus. Et gauche très bon, quatrième. 30 mètres. Gauche bon, ferme sur droite, moyen bon, troisième. 20 mètres à fond sur bosse. Et long droite bon, sur gauche dure. Long droite bon, sur gauche dure. 10 mètres, long droite moyen, attention, sable. Ferme très dur, sable. Thank you.
rajoute et c'est reparti pour un des gommes tendres pour survivre dans les épingles derrière. Le même temps, exactement. Et ça marche? Alors, je t'inquiète pas trop sinon. Mais... juste pour rigoler un peu. Ouais. Enfin, c'est le matin tout à l'heure. Si on avait su, on la faisait pas. Hein, si c'est pour faire le même temps. Oh,
Michael Alpin, t'es parti pour mettre la Clio sur la première marche du podium? Pour le moment, oui, on a 3 minutes d'avance, il reste deux spéciales, mais comme on a quelques petits soucis mécaniques depuis le début du rallye au niveau du moteur, il y a un cylindre qui ne donne pas très bien, il y a une soupape qui ne ferme pas bien, alors on ne sait jamais ce qui peut se produire. Voilà le champagne de la victoire sous les applaudissements du public pour Jean Agnotti et Gilles Timonier qui signent. Il faudrait que j'ai pas à m'arrêter. Hein? Si c'est possible, il faudrait qu'on veut courir. On est là pour courir devant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Jean? La boîte. Le couple, la boîte. Ouais. Ouais. Mauvaise journée. Mauvaise journée. Ouais. En pleine bagarre avec un oreille, et puis tout d'un coup dans Sisteron, qu'est-ce qui se passe? J'étais en pleine bagarre avec un trottoir. Et j'avais vu Alain arrêter, j'avais ralenti, et malgré tout, les pneus que nous avions, on ne les avait jamais testés sur le goudron, et ça ne donnait pas un comportement super à la bagnole. Et c'est pour ça qu'on était très très mal tous les deux. Alors Jean, 1994, nouvelle saison, par contre un championnat qui risque d'être beaucoup plus combattu dans la classe de litre. Oui, en début de saison peut-être pas trop, là, pour l'Alpin, là. Il y a que Yves Loubet qui a une Opel, mais je crois qu'à partir de la troisième course, enfin à partir de l'Alsace, il va y avoir des concurrents beaucoup plus forts. Ah oui, on aura de la concurrence. Donc la bagarre Ragnotti-Oreille risque de s'élargir. Ah, ça c'est sûr parce que si les Citroën sont faites chez Snowbeck, on connaît bien François Bernard qui est l'ingénieur de chez lui, et c'est un très bon ingénieur, il va faire sûrement une très bonne voiture. Par contre, pour Renault, niveau de ta Clio, peu de changements cette année?
Pas de chargement. La voiture est identique à l'année passée. Renault commence à travailler un petit peu sur d'autres projets actuellement. Mais donc c'est un peu pour ça que c'est le Simon Racing qui fait courir les voitures. Renault Sport va faire beaucoup d'essais cette année avec des nouveautés qui sont secrètes pour le moment, mais donc c'est pour ça que c'est Simon qui nous fait courir, mais les voitures n'ont pas évolué. Et la boîte séquentielle n'est pas retenue? C'est pas qu'elle n'est pas retenue, mais on n'a pas essayé. Aller partir ou non. Maintenant, ça ne va pas commencer dans les spéciales, alors ça va être difficile, ça va être compliqué. Quoi. Je ne sais même pas au niveau de l'organisation comment ils vont se débrouiller.
a très bien marché, on n'a pas eu trop de soucis. On a fait un petit peu d'écart, peut-être sur un choix de pneumatique un peu plus tendre dans la spéciale qui était humide. C'est pour ça qu'on a pris un peu d'avance, mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Vous avez vu une erreur de temps, mais elle a été corrigée, donc il est bien troisième. Oui, c'est une énorme erreur. Exactement. Il y a 11 minutes à un moment. Difficile, c'est dans la longue, on a dégradé les pneus, mais sinon, ça, dans l'ensemble, ça va. Ouais. Thank you.
De l'électrique, une coupure d'allumage qui fait qu'on est resté arrêté 5 minutes dans la spéciale.
La ronde Sevenol se transforme en séance d'essai? Un petit peu, oui. On fait quelques séances d'essai, là, de ressort, de barre, de... un peu de tout. Ouais. Ça permettra d'être au top pour le Rouergue? Ben, je sais pas, parce que sur cette voiture-là, je sais pas si j'aime... Je suis pas parti avec un problème d'autobloquant, là, mais il semblerait qu'elle est, elle est un peu trop instable par rapport à ce que l'on roule d'habitude. Et alors, le problème, c'est comme on ne peut pas les changer en cours de route, si le problème continue, ça va être délicat à conduire jusqu'à l'arrivée. Ouais. Ok. C'est peut-être un mec spectateur qui part à un moment donné à un endroit et qui arrive là. Comme Gilles Panizzi, je suis un fan des Rennais. C'est vrai que ça va être une bagarre entre les deux teams, puisque Peugeot et Renault sont en contact direct pour ce dernier. Panizzi, on a 10 heures de retard. Alors, voilà, Jean-Louis en retard. Jean, décidément, jusqu'au bout, se réalise et est vraiment oublié, parce que la dernière spéciale, encore des problèmes. La Scomode. Que la Scomode. Mais ça changera, hein. J'espère avant d'avoir 50 ans. Ça t'a permis de faire quelques essais quand même? Ouais, j'ai fait quelques essais, j'ai vu 2-3 trucs intéressants, mais je me suis demandé tout le rallye si j'avais pas un problème d'autobloquant, parce que la voiture avait un comportement bizarre quand même, un peu sauvage. Ouais. Difficile à dresser. Bon, vivement le Rouergue pour enlever le chat noir de la voiture. Le Rouergue, oui, enfin on va voir Rouergue, mais c'est Simon ça, c'est Simon qui fait des blagues. Et j'espère au Rouergue, mais enfin, le principal c'est que ça remarche quand même un peu mieux. Thank you.
la neuve. Plus content de la voiture, là bon, on sera dans la spéciale. Je suis pas, j'ai pas pris assez de risques sur le gravier. Il y a une portion avec des gravillons très piégeux. En reconnaissance, on a vu qu'ils avaient du mal à les enlever. Et j'ai un peu plus levé que les autres. Sinon, à part ça, ça va. Problème pour Patrick, ça ferait une petite guerre quoi qu'il arrive, qu'il sera en tête demain. Ben, il fallait qu'une petite guerre gagne bien un rallye du championnat de France. Là, il y a quand même de très fortes chances pour que ce soit une petite guerre. Heureusement, ça sert à laquelle ? À savoir laquelle, oui. Bonne route, hein. Les freins, ça marche bien, là, maintenant. Ça va. Ouais. Ouais. Ça va. Moi, c'est plutôt le châssis. Vu de l'extérieur, tu n'arrives pas à être dans le coup avec les autres. Qu'est-ce qui se passe sur la voiture? Non, c'est les bleus qui n'étaient pas les mêmes que les autres. Et j'étais en mixte, alors que les autres étaient en slick, quoi. Ça fait des gros écarts. D'accord. Il y a un très beau passage à Pont de Muret quand même. Ah, bon, ouais, ça c'était pour vous, ça. C'était pour le fun. Ouais. C'était limite. On peut dire maintenant qu'il y a deux bagarres, il y a celle des Kit Kair devant, puis il y a la tienne avec Marco Massarotto, moi derrière. Non, mais ça, je crois que c'est fini parce que j'ai plus le troisième, et donc je suis obligé de faire deuxième, quatrième, et je peux plus, on peut plus attaquer, quoi.
La dernière, on a essayé de rouler vite, mais on a perdu entre 4 et 6 secondes dans la spéciale. Et sinon, on serait encore un peu devant. Mais là, je crois que si je mets la troisième, toutes les pignons, enfin, toutes les dents vont casser, ça va bloquer la boîte. Donc, je suis obligé de ne pas la mettre. Je continue, enfin je vais essayer de continuer le plus de temps possible, mais jusqu'à l'an 2000 à peu près, si ça marche. Il faut, comme on dit, lui donner la primeur. Regardez la petite caméra qu'il a derrière. Voilà, deuxième partie de siècle, vous l'avez entendu, c'est la bouche même de champ magnétique. Alors, cette petite caméra, vous voyez fixée sur l'extérieur de la voiture, en occasion d'observer de près le pilotage de champ magnétique. TGV entre en gare. Thank you.
Comment ça se passe pour tous les deux depuis hier? Ben on a bien dormi et puis il y avait un long routier, donc ça va. On a encore dormi sur le routier. J'ai eu le temps de vous endormir. Ouais, non, c'est une longue liaison, mais c'est obligé, on ne peut pas faire autrement. Si on veut venir ici, on est obligé de la faire. Et sinon, position, ça fait premier et quatrième? Oui, oui, 1 et 4. 1 et 4, c'est ça. Ouais. À la côte 36 contre 1. La poussière de Bizane. Eh oui, encore un guerrier, un de ces guerriers de la route, Jean Ragnotti. Sinon, je ne sais pas si ça a été mentionné, mais maintenant, à partir de maintenant, je crois qu'il va falloir appeler Philippe Bugatti, Schumacher bis. Bis, Schumacher bis, effectivement, parce que voilà, le bientôt d'anniversaire des 50 ans de Jean Ragnotti, que l'on doit à toute l'équipe de Renault Sport, et en particulier aussi à l'agent Renaud Roussou, qui a planté les bougies dans le gâteau. Et 50 ans, ces 50 bougies de Jean Ragnotti, qui symbolisent, on l'a dit, près de 400 courses, près de... on ne sait plus, en victoire, on ne les a pas comptées, si, ils sont dans le dossier presse, mais c'est vrai que c'est tout à fait exceptionnel en longévité. Madame Ragnotti, vous avez le droit de l'embrasser ce soir. Pour la première fois en 50 ans, vous pouvez l'embrasser. Venez, venez le rejoindre, voilà, pour ce baiser qui vaut de l'or. Tout simplement parce que le couple Ragnotti est unique, il ne manque plus que le chien et le fils, bien sûr, mais c'est vrai que non, le fils est là, voilà, qui est... Je serais curieux de savoir, venez, c'est Julien son prénom, venez me rejoindre, parce que on se dit toujours que n'allez pas blesser quelqu'un maintenant, Jean Ragnotti, je n'ai pas le moment, vous savez que c'est la fête, juste le tour de Ragnotti. Ce rallye du Touquet s'annonce pour l'instant sec, ça va pas glisser? Non, non, enfin, il y a les routes quand même qui sont un petit peu poussiéreuses. C'est pas vraiment de la glisse, mais c'est poussiéreux, alors il y a quelques endroits qui glissent quand même. Mais c'est vrai que si ça continue de rester comme ça, ça sera une édition sèche, et ce qui est assez rare ici. Au Limousin, tu essayais des plaquettes de carbone ici, qu'est-ce que tu vas essayer? Ben, on les a enlevées, on a mis des classiques. Ça freine un petit peu moins bien, mais ici, il ne faut pas trop se faire surprendre par des blocages de roues. Mais de toute manière, c'est vrai que c'est un rallye qui est très spécial, parce que les réglages des voitures ne sont pas du tout faits comme dans les autres rallyes championnats de France. Il faut avoir une voiture souple, avec du carrossage réduit, avec plein de choses pour rendre la voiture assez facile à conduire dans le rapide. Tu marches sur le toit pour marquer.
Surtout qui nous a fait perdre d'un coup le contact avec Bernardini, alors qu'on était ex aequo à ce moment-là. C'était, j'ai fait un petit tout droit dans une spéciale et le moteur a calé, puis il n'a jamais voulu se remettre en marche. Enfin, il a mis longtemps pour se remettre en marche et ça nous a fait décrocher d'une trentaine de secondes. Et tel que sont les rallyes actuellement, 30 secondes, c'est énorme. Et bon, ben après, on a fait des temps avec lui, un peu derrière lui, un peu devant lui. Mais les 30 secondes sont plus que difficiles à reprendre. T'as hâte d'avoir un rallye où enfin il n'y a pas un seul problème et que tout baigne ? L'année prochaine. Une année, cette année c'est mes 50 ans, alors donc on peut pas tout avoir. Hein. On va préparer les trois premiers.
le temps, bien évidemment, que Jean-Magnetti arrête sa voiture, finalement très bien, parce que d'abord c'est mon meilleur résultat au rallye du Touquet. Chaque année, c'est un rallye qui est très très difficile, et chaque année j'avais eu plus ou moins de la réussite. Et bon, bah, finalement, troisième, c'est pas si mal que ça, malgré quelques petits ennuis. Moteur coupé, la voiture qui n'a pas redémarré, enfin, des panne de casque radio, petit problème avec la boîte à un moment donné, enfin, des tout petits détails qui font perdre des secondes, mais je suis pas trop mécontent. Aujourd'hui, des routes très glissantes, paraît-il. Beaucoup plus qu'en reconnaissance, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup plus en reconnaissance, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit plutôt l'étape du sud qui soit plus glissante que celle du nord. C'est le contraire qui s'est produit. Encore deux rallyes ? Encore deux rallyes, ouais. Ah ouais. Ouais. Avec du gris, peut-être un peu plus, sauf s'il pleut dans les Cévennes. Tiens vers toi. Ça dit pas bien, non ? Hein ? Le petit rose comme ça. On referme. Très mal, on a crevé à l'arrière, au tout début de la montée, dans une droite, une pierre qui était sur un petit silex, qui a percé le pneu. Beaucoup de sous-virages à cause des pneus arrière. Ouais, la voiture tourne pas, je braque, elle tourne pas. Je suis obligé de jeter, de faire des acrobaties et pagailles. Oh,
d'argent, 15 jours pour refaire une voiture. Chez Simon, ça a été chaud. Il y avait une coque d'avance, donc ça a aidé à ce que ça se fasse plus vite. Mais c'est vrai qu'ils ont travaillé beaucoup, ils ont eu beaucoup de boulot depuis l'Alsace. Ouais. Donc là, chaque rallye est un jour nouveau, donc on repart sur de bonnes bases. Et l'objectif, c'est d'aider Philippe dans le titre du champion de France. Alors, c'est un objectif qui pourrait se faire tout seul s'il y a la possibilité, mais comme je disais un peu plus tôt à d'autres personnes, c'est difficile de faire un pronostic parce que les voitures étant tellement proches les unes des autres, on ne sait jamais, il peut y avoir un écart tellement faible entre une Peugeot et une Renault que c'est difficile d'échafauder une stratégie. Et la boîte séquentielle, c'est quelque chose qui va s'installer ? La boîte séquentielle marche bien, l'Alsace elle marchait très bien, ici aux essais ça avait l'air d'aller. Je pense que c'est un tout petit plus, c'est un petit plus. Ouais, en tout cas pour monter les régimes. Pour les descendre peut-être pas spécialement, mais pour les monter oui. Ouais, okay. Bon alors le team Peugeot a pris un peu d'avance, je suppose que chez Renault vous avez préparé la réplique. Ouais, on est solidaires, on roule tous les deux dans la même voiture maintenant. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai fait un béret au rallye d'Alsace et je voudrais pas en faire un deuxième. On fait quelques coups de frein à main pour les spectateurs, mais on n'attaque pas trop, non. Oh.
Mm-hmm.